Alors, pour moi, fournisseur d'énergie, ça consiste à apporter le gaz ou l'électricité jusque dans le domicile et qu'il n'y ait aucun problème à la maison. Aujourd'hui, Consomac vous explique le rôle de votre fournisseur d'énergie. Les marchés de l'électricité et du gaz naturel regroupent trois acteurs, producteurs, gestionnaires de réseau et fournisseurs. Qu'il s'agisse des fournisseurs historiques qui existent depuis toujours ou des alternatifs qui sont nouveaux sur le marché, les fournisseurs d'énergie sont en charge d'une seule mission, gérer et facturer l'électricité et le gaz pour les consommateurs. Les fournisseurs peuvent produire eux-mêmes l'énergie ou l'acheter à des producteurs. Ce sont les gestionnaires de réseaux qui acheminent l'énergie jusqu'aux consommateurs. Les réseaux publics de distribution sont gérés sur 95% du territoire par Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz et sur 5% par des entreprises locales de distribution. En électricité, au début de la chaîne, il y a des producteurs et certains d'entre eux sont aussi fournisseurs. Ils exploitent des centrales nucléaires ou thermiques et des sources d'énergie renouvelable. Les fournisseurs achètent cette énergie en gros aux producteurs et la revendent ensuite à leurs clients au détail. Les fournisseurs d'énergie facturent aux consommateurs l'électricité ou le gaz qu'ils ont produit eux-mêmes ou acheté à des producteurs. Il existe une trentaine de fournisseurs nationaux concurrents. C'est avec le fournisseur que vous concluez un contrat de fourniture d'énergie ou de gaz naturel. Ce contrat vous lie aussi aux gestionnaires de réseaux de distribution qui exploitent le réseau pour le compte de tous les fournisseurs. Quel que soit votre fournisseur, l'énergie acheminée par le gestionnaire de réseau est la même. Le fournisseur est votre interlocuteur privilégié pour toute question relative à votre contrat. C'est aussi un intermédiaire dans les relations avec le gestionnaire de réseau de distribution. Sachez que vous pouvez à tout moment et librement changer de fournisseur. Vous en trouvez la liste sur le site d'information du médiateur national de l'énergie.